Bonjour Yogi, alors aujourd'hui pour faire changement, on va faire une séquence qui commence debout. Donc je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, moi je vais rester face à vous juste pour commencer pour que vous voyez bien. Donc on commence en posture de la montagne, les pieds à la largeur des hanches, les épaules roulées vers l'arrière, les paumes vers l'avant, les doigts vers le sol. On rentre légèrement le nombril vers la colonne. Et on respire profondément. Comme à chaque début de pratique de yoga, on veut concentrer toute notre attention sur notre respiration. On essaye d'allonger le souffle. Et de maintenir cette attention à notre respiration tout au long de la pratique. On sent notre ancrage dans le sol, nos pieds sont forts et fermes, les jambes nous retiennent. Le nombril rentre vers la colonne pour allonger le tronc, maintenir le tout bien droit. On commence doucement à bouger les doigts, réveiller les doigts. Une fois que c'est fait, on va réveiller la tête. En faisant des demi-cercles avec la tête, on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite. On bascule lentement de chaque côté, en regardant les épaules loin des oreilles bien lourdes. La prochaine fois que l'oreille droite est au-dessus de l'épaule droite, on reste là. On allonge le bras gauche vers la gauche. Et on peut placer la main droite sur le dessus de la tête pour aider à étirer le trapèze. On allonge le bras gauche vers la gauche. On respire profondément. Sur un inspire, on change de côté. On s'en va vers l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On ouvre le bras droit vers le coin droit du tapis. Sur une inspire, on revient vers le centre. On relâche les deux bras. On amène les deux mains à l'avant de soi, on entrelace les doigts, les paumes sont vers la poitrine. Inspire sur place. Expire, flippe les mains vers l'avant et pousse les mains vers l'avant, courbe le dos comme dans le chat. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, ouvre les bras en cactus, les coudes à 90 degrés. On descend les mains vers le sol. On entrelace les doigts à l'arrière du sacrum. Inspire, tire les mains vers l'arrière, allonge les bras et ouvre la poitrine. Ouverture du cœur. Expire, relâche. On va refaire cette séquence encore deux fois. Donc on inspire, on entrelace les mains devant la poitrine. Expire sur place. Expire, flippe les mains vers l'avant, pousse les mains vers l'avant, courbe le dos comme dans le chat. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, cactus, les bras vers l'arrière et vers le bas. Entrelace les doigts derrière le sacrum. Inspire, ouvre la poitrine, étire les bras. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire, les mains devant la poitrine, entrelace les doigts. Expire, pousse les mains vers l'avant, courbe comme dans le chat. Inspire, soulève. Expire, cactus. Les bras vers l'arrière. On te relance les doigts derrière le sacrum. Ouvre la poitrine. Expire, relâche. Excellent. On va placer les jambes un peu plus larges que les hanches et on va faire le pendule. On va placer les mains de chaque côté du corps et basculer de gauche à droite. Juste pour faire circuler l'énergie, circuler le sang des épaules jusqu'aux doigts. On vient de bien réveiller les épaules, les trapèzes, les omoplates. Et on ralentit doucement notre pendule, on revient vers le centre. Marche vers l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches. Inspire, amène les mains en prière près du cœur. Salutations au soleil. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Bien, amenez le pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. Choisis ta variation dans la fente basse. Les mains au sol, mains au genou ou mains au ciel. Sur une expiration, ramène les mains au sol, on s'en va dans la planche. Inspire vers l'avant et expire, chaturanga ou genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite vers le ciel, viens la porter entre les deux paumes. Si elle ne se rend pas, on lui donne un petit coup de main. Dépose le genou gauche au sol, choisis ta variation dans la fente basse. Ramène les paumes au sol si ce n'est pas déjà le cas. Et les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire jusqu'au ciel. Expire, main au cœur. Même chose vers la gauche. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, mi-chemin. Dos long. Expire, relâche vers le sol. Dépose les mains au sol, recule la jambe gauche vers l'arrière. Genou gauche au sol. Choisis ta variation au niveau des bras. Mains au sol, on se retrouve en planche. Inspire, amène le poids vers l'avant. Expire, descends au sol de la façon de ton choix. Inspire, soulève dans le cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Viens la porter entre les deux mains. Dépose le genou droit au sol. Respire ici pour 3 respirations. On ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis, flexion avant. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, main au cœur, posture de prière. Excellent, maintenant que le corps est bien réchauffé, bien réveillé, on va aller faire notre petite séquence d'ouverture du cœur. Donc, toujours un peu un challenge, hein, quand on a toujours les épaules roulées vers l'avant, soit pour conduire, soit en texto. Les postures d'ouverture du cœur sont pas très aimées. D'ailleurs, moi, je les aime pas beaucoup, mais c'est très bon à faire pour moi parce que je suis toujours les épaules roulées vers l'avant. Donc, on va faire ça ensemble, on va se challenger. Inspire, on s'en va dans un guerrier 1. On amène la jambe droite vers l'arrière. Amène le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. La jambe droite est bien longue et bien forte à l'arrière, bien droite. Les deux hanches sont vers l'avant du tapis. Inspire, soulève les mains au ciel. Good. On amène les deux petits doigts ensemble. Les deux petits doigts, pardon, vers l'intérieur pour ouvrir les épaules, garder les épaules loin des oreilles. Inspire sur place. Expire, viens entrelacer les doigts derrière le sacrum. Déplie les bras pour pousser les mains vers l'arrière. Et ensuite, flexion avant vers l'avant. Viens déposer l'épaule gauche dans l'intérieur du genou gauche. Guerrier humble. La tête vers le sol, le dessus de la tête vers le sol, complètement relâché. On reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les mains. On revient dans un guerrier 1 régulier. Excellent. Ramène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, relâche vers l'avant. Flexion avant, poupée de chiffon. Excellent. Plie le genou gauche, viens déposer la main gauche dans le sol entre les deux pieds. Inspire, ouvre la main droite vers le ciel. Torsion et ouverture du cœur en même temps. On respire sur place. On pousse dans l'intérieur du genou gauche avec le coude gauche ou le bicep gauche pour bien ouvrir la poitrine vers la droite. Si c'est disponible, on vient déposer la main droite à l'arrière, près de la hanche gauche. Et là, si vous voulez vous challenger, on vient glisser la main gauche sous la cuisse gauche. On vient entrelacer les doigts ensemble et on vient tourner davantage dans la torsion. On tire sur l'épaule par en dessous. Amène le poids dans la jambe gauche et bascule dans le grand angle avec les mains attachées. Si les mains étaient détachées, on garde la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel dans le grand angle. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les deux mains. On s'en va vers le sol et on fait un petit vinyasa pour aller faire l'autre côté. Donc, les deux pieds ensemble à l'arrière, planche, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On peut prendre le temps de plier une jambe à la fois, relâcher les tensions. On va faire la même chose de l'autre côté, on soulève la jambe droite vers le ciel, on vient la porter entre les deux paumes. Guerrier 1. Soulève les mains au ciel, les deux petits doigts vers l'intérieur. Expire, entrelace les doigts derrière le sacrum. Tire les bras vers l'arrière. Expire, guerrier humble. On amène l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. On respire sur place. Sur un expire, on relâche les mains vers le sol. On amène les deux pieds ensemble à l'avant du tapis. On délie un petit peu les jambes avant d'aller faire la flexion avant avec torsion. On plonge vers l'avant. On plie la jambe droite. On vient déposer la main droite au sol ou sur un bloc. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Si jamais vous ne vous rendez pas, pliez amplement le genou droit et utilisez un bloc. On appuie dans la main droite. On ouvre la main gauche vers le ciel. On essaye d'amener l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Belle ouverture de la poitrine. On déplie la jambe gauche et on pousse dans l'intérieur de la jambe droite qui est pliée. Yes, une belle torsion. On respire profondément. Excellent. On vient essayer de faire la petite attache. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Si vous l'avez fait de l'autre côté, allez-y. Sinon, vous pouvez l'essayer aussi avec une sangle. Donc, on glisse la main gauche près de la hanche droite et on attrape la main gauche avec la main droite. On reste ici pour quelques secondes avant d'aller dans le grand angle. Mène le poids dans le pied droit, bascule le pied gauche à l'arrière sans tomber, on essaye. Et on se place ensuite dans le grand angle avec les mains attachées ou pas. Vous pouvez prendre une sangle aussi. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les mains. On amène les mains à l'avant, près du pied droit. Ça va dans la planche. On amène le poids vers l'avant. Plonge dans le chaturanga. Inspire dans le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Posture de l'enfant. Ouvre les genoux à la largeur du tapis, les mains à l'avant de soi. Dépose la tête au sol, on retrouve notre souffle. Peut-être qu'on a besoin de bouger un peu de gauche à droite, les hanches pour relâcher les tensions. Sur un inspire, on s'en va dans le bébé chien, donc une autre posture d'ouverture du cœur, donc ouverture du cœur vers le sol. C'est aussi appelé parfois le cœur fondant, cette posture. Donc, on amène les hanches au-dessus des genoux et on marche les mains vers l'avant, les fessiers vers le ciel. C'est un peu une exagération de ce qu'on devrait ressentir dans le chien tête en bas. On amène le cœur vers le sol, le nez vers le sol. On respire sur place pour 10. 1, inspire, on glisse les mains vers soi et on revient assis sur les talons. Excellent. Faire une autre posture d'ouverture du cœur que j'affectionne tout particulièrement. On vient sur les genoux, les hanches au-dessus des genoux, encore une fois. On peut venir, c'est mon petit truc, on peut venir sur les orteils pour faciliter, que ce soit un petit peu moins loin pour les talons. On s'en va dans le chameau, bien entendu. Donc, les mains viennent à l'arrière des fesses, un peu comme si on avait des jeans tie-out. On venait placer les mains dans les poches des jeans tie-out. À l'inspire, on s'en va vers l'avant. À l'expire, on laisse aller la tête vers l'arrière. On laisse aller les hanches vers l'avant. On garde toujours les hanches au-dessus des genoux et on ouvre la poitrine vers le ciel. Si c'est disponible, on peut aller chercher, comme je disais tout à l'heure, les talons, tout en gardant les hanches au-dessus des genoux. On reste ici pour 10. Et doucement, on sort de la posture. Ouh, et on vient faire une contre-posture dans la posture de l'enfant. On dépose le dessus de la tête dans le sol. On peut basculer les hanches de gauche à droite légèrement. Faire ce qui est confortable pour nous. Sur un inspire, on ressoulève le tronc. On amène la tête au-dessus des hanches. On vient déposer les fessiers dans le sol. Et les pieds aussi dans le sol. On peut prendre un bloc, l'amener près de vous et on va descendre vers le sol tranquillement en un nombril. Le nombril bien rentré vers la colonne, une vertèbre à la fois. Faites travailler les abdominaux un peu quand même. Excellent. On va aller faire la posture du demi-pont. Donc, on va la faire 3 fois. Puis je vais donner une option après aussi ceux qui veulent faire la roue. Ceux qui sont dans leur pratique. Alors, on vient placer les pieds dans le sol, les genoux vers le ciel. À l'inspire, on soulève le bassin. Donc, pour une première fois, demi-pont supporté par soit nos mains comme ça dans le bas du dos, ou sinon, on peut venir entrelacer les doigts sous les fessiers, puis les amener dans le sol pour vraiment rouler un épaule à la fois dans le tapis. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Good. Pour notre deuxième demi-pont, on va prendre un bloc et on va venir le glisser au niveau du sacrum, sur la hauteur de votre choix. Personnellement, moi, je le mets bien haut. J'aime ça pour vraiment venir relâcher les muscles dans le bas du dos. Et on vient supporter notre demi-pont ici. Et on reste pour 10. 9. la roue, c'est pas dans votre pratique, vous voulez pas l'essayer, restez ici avec le demi-pont supporté pour être bien confortable. Sinon, on va aller dans la roue et là, soyez indulgents, c'est pas ma posture préférée, j'ai pas le dos le plus flexible du monde. On vient placer les paumes au sol avec les doigts qui frôlent les épaules. Sur un inspire, on amène le dessus de la tête dans le sol. Et à l'expire, on pousse, on soulève la poitrine vers le ciel. On reste ici pour 10. Et doucement, avec contrôle et douceur, on dépose le dos dans le sol. Donc, la colonne vertébrale, hein, c'est pas un spring. On veut pas faire une extension, puis après ça, revenir vite avec les genoux vers la poitrine. Fait qu'on va prendre le temps de faire des grands cercles avec les genoux, relâcher le bas du dos, ramener la colonne au neutre dans le sol. On peut guider les genoux avec les mains. Faire des mouvements qui sont confortables, naturels pour nous. Puis doucement, on peut agrandir les cercles avec les genoux pour ramener les genoux un peu plus près de la poitrine. Étirer un peu le bas du dos, mais seulement si on se sent prêt, si la colonne vertébrale est à l'aise et les muscles autour aussi. Puis doucement, on ramène les deux genoux vers la poitrine sans tirer trop fort pour commencer. On plaque tout le dos dans le sol, on peut rouler les épaules vers l'arrière, plaquer le bas du dos aussi dans le sol. On respire sur place. Maintenant qu'on est confortable, on peut amener les mains de l'autre côté des genoux, entrelacer les poignets ou entrelacer les coudes si c'est confortable. Pour vraiment venir écraser cette fois-ci les genoux dans la poitrine, les cuisses sur le ventre pour vraiment faire une belle compression au niveau des psoas. On continue de respirer lentement, profondément. Sur un inspire, on relâche les bras. On peut ouvrir les bras de chaque côté avec les coudes à 90 degrés. Donc, les paumes sont vers le ciel à 90 degrés par rapport aux biceps. On bascule les deux genoux vers la droite. On peut venir placer la main droite sur le genou gauche, faire une belle torsion complète. On étire le pec. Encore une fois, une ouverture du cœur. Et faire une belle torsion finale. On peut regarder vers la gauche si notre cou nous le permet. Puis on peut fermer les yeux pour vraiment se concentrer sur l'étirement. Sur une inspiration, on ramène les genoux vers la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène le coude droit vis-à-vis l'épaule, puis on fait un bel angle de 90 degrés avec le bras droit. Et on amène le bras gauche, la main gauche sur le genou droit. On bascule vers la droite. On peut peut-être amener le regard vers la droite. Les genoux restent vers la gauche pour la torsion complète. On respire profondément, on sent le ventre qui vient gonfler, s'accoter peut-être sur les cuisses. Et se relâcher lentement. Le nombril vers la colonne. Sur une inspire, on ramène les deux genoux vers le centre, vers la poitrine à nouveau. On peut venir faire une dernière posture qui nous ferait du bien ce soir ou aujourd'hui, dépendamment à quel moment vous faites cette pratique. Donc, ça peut être le bébé bienheureux, ça peut être d'amener les pieds derrière la tête dans la charrue ou peut-être faire la chandelle sur les épaules. Choisissez votre dernière posture bonbon. On reste pour quelques respirations dans la posture de notre choix. Doucement, on revient vers le centre, on ramène les genoux vers la poitrine, on se prépare pour le Shavasana. On allonge les jambes devant soi, on place les épaules dans le sol, on roule les épaules vers l'arrière, les omoplates bien à plat dans le sol. Les paumes vers le ciel, les pieds relâchés de chaque côté. Donc Shavasana, on laisse aller le corps entier dans le sol. On s'assure de ne pas toucher à quoi que ce soit autour de nous. Profite des prochaines minutes pour se relâcher complètement. Je vous invite à rester le plus longtemps possible dans Shavasana, 5 à 10 minutes. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et je vous invite à continuer Shavasana le plus longtemps possible. Namaste.